Deuxième journée, qu'on peut qualifier de billet du second tour, a tenu toutes ses promesses avec une première rencontre de fou entre la Guinée 5e au classement avec 3 points et l'Algérie 3e au classement avec 4 points, conduit par Guézout, auteur de 18 points. Il fallait attendre le dernier carton pour départager les deux équipes. Score final 70 à 63 en faveur des. عيدي على كل الناس اللي تحبيهم وتعيدي على كل الناس اللي يعرفوك اللي يتبعوا اخبارك خاصه انه انا كنت حاضر يعني في الليله اللي حيتيها مع الديور الوطني Es lograr la autonomía y la integración social del migrante, para lo que es fundamental la enseñanza del idioma. Al final del proceso, algunos adquieren la condición Fatima et Étienne Monga pour le compte de la dernière journée des matchs de poule du championnat d'Afrique militaire de basketball. Alors, Lwingami, nous étions avec Kimina Kimina Makumu qui regrettait bien entendu la prestation de l'équipe du Nigeria en première période. Est-ce que ce résultat reflète selon vous la physique? Bonsoir à toutes et à tous. Nous signons notre retour sur cette saga musicale après cette courte pause, bien méritée d'ailleurs pour toute l'équipe de Musique Boss. C'est avec un sujet à corps perdu. À la fin, on voit que le défenseur nigérien Etebo n'a pas pu justement suivre le mouvement de son adversaire. Tout à fait. On avait prévu le scénario. Grosse bagarre au milieu du terrain, très grosse bagarre. Des robes de week-end, de bureau, de soirée. Et j'invite toutes les femmes qui me suivent à être présentes et à en profiter 50% de remise sur tous les articles de femmes. Et vraiment, vous ne serez pas déçus parce que nous avons de bons produits. Et volontaires et les cadres de Bita qui se veulent pérennes. Célébration de la fête de fin du Ramadan à Port-Gentil, la capitale et économique du pays. Les musulmans étaient autour de l'imam Mohamed Diber pour la grande prière. On regarde. Le capitaine de Super Higgs, lui qui a déjà goûté à une Coupe du Monde et qui s'était qualifié pour le deuxième tour il y a de cela 4 ans, et c'était au Brésil sous la houlette du regretté Big Boss Steven Keshi dont nous avions célébré la mémoire lors de son deuxième anniversaire de son départ vers l'au-delà. Chers téléspectateurs, vous qui êtes toujours fidèles sur les antennes de Kwese Télévision, nous vous apportons ce match avec un commentaire. Donc, l'invité de ce soir,
Nous allons nous diriger vers la musique gospel pour retrouver le groupe Glory. Et le groupe Glory est donc dans ses préparatifs de la sortie de son album. Et déjà là, je crois que on va peut-être faire trêve de bavardage pour nous diriger vers... puisse donner le coup d'envoi. Mais en attendant, nous allons remettre le micro à Edo Dalmonte.